Double objectif pour le Barça face à Bilbao. En cas de victoire, prendre provisoirement 14 points d'avance sur le Real Madrid. Et en cas de succès, toujours réaliser le meilleur départ de l'histoire de la Liga. Barcelone va-t-il atteindre ses objectifs? Du côté de Bilbao, c'est la première apparition cette saison pour Ramalho, l'arrière droit, 19 ans. Va-t-il tenir face aux montées de Jordi Alba et Andrés Iniesta? Andrés Iniesta dispute aujourd'hui le 500e match de sa carrière. Et un premier ballon dans les pieds de Valdés. Et si donc le Barça s'impose, eh bien, ça serait le meilleur départ, nous le disions, de l'histoire de la Liga. Le record pour le moment date de 91-92. C'est le Real Madrid qui l'avait réalisé. 12 victoires et 2 nuls après 14 journées. Et pour le moment, le Barça, après 13 matchs, en est à 12 victoires et 1 résultat nul. La remise en jeu d'Adriano qui va donc occuper le couloir droit à la place de Dani Alves. Martin Montoya est sur le banc des remplaçants. Le ballon est tout de suite récupéré par les joueurs de Tito Villanova. Pedro accroché. Amore Bieta, le capitaine de Bilbao. Bilbao qui ne compte que 2 victoires lors des 6 dernières journées et 3 défaites. Et triple défi. C'est d'ailleurs la une du quotidien Sport aujourd'hui. Le premier défi, 13e victoire en Liga. Le deuxième, le chiffre 14 pour prendre les 14 points d'avance sur le Real. Et puis le troisième chiffre, c'est 85 buts pour Lionel Messi et ainsi égaler le record de Gerd Müller pour le nombre de buts marqués sur une année civile. Javier Mascherano, titulaire en défense centrale aux côtés de Gérard Piqué. Voilà, et du côté de Mundo Deportivo, qui est l'autre quotidien catalan, eh bien la une porte sur l'Atlético, Visca Atlético, vive l'Atlético. C'était le titre de Mundo Deportivo, allusion évidemment au derby Atlético-Real Madrid à Bernabéu, que vous suivrez tout à l'heure dans la continuité à 22h sur beIN Sport 1. La première montée des Barcelonais avec Andrés Iniesta, qui va laisser s'appuyer sur Fabregas. Bonne récupération de la part des Kidza. Voilà, mais le Barça s'approprie tout de suite la maîtrise du ballon. Lionel Messi qui va aller crocheter une première fois. Lionel Messi essaie de trouver Andrés Iniesta. Voilà, des premières secondes au cours desquelles eh bien, les Barcelonais mettent leur empreinte. Xavi, Fabregas, le centre de Fabregas a été contré par Aorte Neche. Ibai Gomez obligé de revenir très bas. Mauvaise relance directement sur Gérard Piqué, qui lui, à l'inverse, est positionné très très haut. Iniesta. Fabregas. Oh, il a encore de l'espace devant lui. Fabregas, le 1-2 avec Lionel Messi. Il a essayé de jouer vers Andrés Iniesta. La tête de Fabregas, la fameuse tête de Ramalho. Ce joueur de 19 ans qui va occuper le couloir droit de la défense basque. Pedro. Adriano. Jeu très très offensif. Là, tous les défenseurs vont vers l'avant du côté du Barça. Lionel Messi, très bonne prise de balle de Lionel Messi qui tente de s'appuyer sur Andrés Iniesta. Messi, Iniesta, finaliste du FIFA Ballon d'Or 2012 avec Cristiano Ronaldo. Lionel Messi primé lors des 3 dernières années. Le lauréat sera désigné dans quelques jours, le 7 janvier. Busquets, Iniesta, à qui va les contourner. Iturraspe, la passe vers Lionel Messi à Aorte Neche en difficulté. Ouh, ce ballon reste plein axe, c'est dangereux. Et Kidza. Ander Herrera qui va aller s'appuyer sur Iturraspe, Ramalho et Kidza. Iturraspe qui va les balancer devant vers Susaeta. Belle récupération de Jordi Alba. Sergio Busquets avec son capitaine Xavi. Piqué. Oh, nouvelle montée encore importante de la part de Piqué. Pedro. Busquets.
Busquets. Alors, le ballon reste évidemment pour les joueurs de Tito Villanova. Avec un ballon vers Fabregas. Position de hors-jeu. Ballon dans les pieds des Basques. Ekidza, la relance est toujours aussi difficile pour le moment. Nouvelle montée de Jordi Alba. Coup de sifflet de Mateu Laoz. L'Athletic Bilbao qui, à l'extérieur, n'a pris que 4 points sur 18. Une seule victoire en déplacement. C'était à Grenade. Remise en jeu de Ramalho. Ekidza, aucune possibilité pour le moment. Après 6 minutes de jeu, d'aller trouver l'avant-centre, Aritz Adoriz. Itor Aspe. Il a essayé de jouer un petit peu trop précipitamment. Itor Aspe. Ballon pour piquer. Avec Javier Mascherano. Bonne récupération des Basques avec l'accélération dans le couloir. Ditour Aspect qui demandait ce ballon. Valdés un petit peu en difficulté là face à. Après ce ballon donné par Gérard Piqué. Le Barça qui n'a que la cinquième défense du championnat. 15 buts encaissés en 13 matchs. C'est par exemple autant qu'Osasuna. La meilleure défense de la Liga, c'est celle de Malaga. Avec 9 buts simplement pris. La tête de Jordi Alba. Andrés Iniesta. Ballon en contrée. Et Susaeta va effectuer lui-même la remise en jeu. Ballon vers Ander Herrera. Ekidza. Appel de balle de De Marcos qui va beaucoup bouger entre les lignes. Itour Aspe. Voilà, bon passage là pour les hommes de Marcelo Bielsa. Après des premières minutes passées dans leurs 30 derniers mètres, c'est le premier moment où les joueurs de Bilbao peuvent garder, faire circuler le ballon et glisser en retrait à Iraissos. Le Barça tout juste qualifié pour les 8e de finale de la Copa del Rey. Les Catalans viennent d'éliminer Alavés 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Alavés, un club de division 3 espagnol. Iraissos. Pressé par Lionel Messi. Bonne tête de Busquets, mais le ballon revient dans les pieds d'Itur Aspe à Orteneche. Avec son capitaine Amore Bieta entre les lignes, c'est un excellent ballon pour Ander Herrera. Susaeta. La transversale d'Itur Aspe vers Ramalho. La tête de Jordi Alba, ballon récupéré par Andrés Iniesta. Voilà, encore cette belle accélération d'Andrés Iniesta qui régale déjà le Camp Nou par sa gestuelle, son spectacle toujours au rendez-vous. Xavi, ouais, bon ballon là encore de Xavi avec le contrôle de Pedro. C'est l'un de ses premiers ballons touchés par l'ailier du Barça. Xavi. Fabregas, Iniesta, accélération d'Andrés Iniesta, ballon récupéré par Ramalho, Ander Herrera contré par Busquets, Susaeta, ah, c'est De Marcos maintenant qui va aller récupérer ce ballon, Oscar De Marcos contraint de revenir très bas, bien joué, Ander Herrera, voilà, double 1-2 qui fonctionne, et tout raspé, Ramalho. Markel Susaeta contré, remise en jeu donc pour les Barcelonais. Pour les Basques plutôt. Et ce ballon maintenant qui arrive dans les pieds d'Adriano. Pedro. Busquets.
Messi, Iniesta, Lionel Messi. Un ballon vers Aritz Aduriz, trop profond, la remise en jeu est pour le FC Barcelone sous le regard de Tito Villanova. Le Barça qui en Liga est sur une série de 17 matchs sans défaite. Le dernier revers en championnat, c'était le 21 avril la saison passée face au Real Madrid. Adriano avec Xavi. Messi, Piqué, Messi, Gérard Piqué, Mascherano, récupération de Piqué. Lionel Messi qui en est à 188 buts en Liga avec Barcelone. Il est à 2 buts du record de César Rodriguez qui lui avait marqué 190 buts. C'était entre 1942 et 1955. Et pour le moment, César Rodriguez est toujours le meilleur buteur de l'histoire du Barça en Liga. Et Messi pourrait les caler ou le dépasser dès ce soir en cas de grosse prestation, comme toujours, de l'Argentin. Le ballon par-dessus de Busquets. Jordi Alba, à qui il voulait jouer en remise, à une touche vers Fabregas qui avait pris de la profondeur, mais le ballon était un petit peu trop profond. Ramallo. Tout de suite contré. Et c'est un nouveau Busquets qui va aller amorcer cette nouvelle attaque pour les Barcelonais. Xavi qui cherche du regard des solutions. On va aller trouver le décalage vers Messi. À nouveau vers Pedro. À devant, à Orteneche. Adriano, belle montée d'Adriano. Lionel Messi, le Barça se concentre dans l'axe. Un petit peu d'ouverture avec Andrés Iniesta face à Ramallo. Andrés Iniesta qui va aller encore profiter de la frappe d'Andrés Iniesta. Et la première parade d'Iraisos, nous vous en parlions. C'était l'un des duels importants de cette rencontre. L'expérience, le talent d'Andrés Iniesta face à la jeunesse de Ramallo qui dispute son premier match cette saison en championnat. Et là, le jeune latéral de l'Atleti est déjà en difficulté. Piqué, Xavi, Adriano. Ce n'est pas une surprise, la possession de balle est en faveur des Barcelonais pour le moment. Di Marcos va s'appuyer sur Aduriz, à Orteneche. Très peu de possibilités pour aller chercher le jeu dans les couloirs du côté de l'Atleti. Aduriz, Orteneche, Ander Herrera. Ballon récupéré et relancé par Fabregas. Iniesta, Messi, Xavi. Busquets, Piqué. Appel de balle de Pedro. Mascherano. Et il a vu l'appel de balle de Jordi Alba. Ballon un petit peu dans le dos de l'ancien joueur de Valence, tout comme Aduriz. Ibai Gomez. Aritz Aduriz qui est le meilleur buteur de l'Atleti cette saison en championnat. Il en est déjà à 8 buts. La montée d'Aorteneche et voici l'occasion d'Andrés Iniesta qui va aller éliminer Susaeta et Ramallo. Iraisos ferme très bien son angle face à Andrés Iniesta. 500e match dans sa carrière aujourd'hui, club et sélection confondus pour Andrés Iniesta. Le voici à nouveau servi. Jordi Alba est parti dans son dos. L'accélération de Jordi Alba. Le centre retrait, c'est intelligent avec le contrôle de Lionel Messi. Le ballon lui est resté un petit peu dans les pieds. C'est très très rare. Là aussi, Pedro. Situation de débordement devant Aorteneche.
Le retour d'Ander Herrera, récupération de Busquets qui récupère beaucoup de ballons et toujours vers l'avant, comme ici Pedro, Messi. Ah, il va essayer de contourner Lionel Messi, la passe vers Andrés Iniesta. De Marcos. Aduriz. Ah, il avait l'appel de Susaeta, plein axe. Récupération à nouveau de Aritz Aduriz, formé à Bilbao. Ramalho. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et un bon coup à jouer là pour Oscar De Marcos qui va aller mettre ce ballon au deuxième poteau. Le contrôle d'Ibai Gomez. Un petit peu difficile face à Adriano. Pedro. Adriano. Ouais, gros travail de Pedro pour défendre Mascherano. L'Atleti Bilbao éliminé de la Ligue Europa, troisième de son groupe derrière Lyon et le Sparta Prague qui sont eux qualifiés. Et de son côté, le Barça est évidemment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça qui jouera d'ailleurs mercredi contre Benfica au Camp Nou. Un match que vous suivrez sur beIN Sport 2 à 20h45. Le Barça est qualifié premier du groupe, mais gros enjeu pour Benfica qui lutte pour la deuxième place avec le Celtic Glasgow. Messi, Iniesta, nouvelle accélération de Andrés Iniesta devant Ramalho. Lionel Messi qui va essayer de contourner Ekidza. Le retour d'Ander Herrera, peut-être une main de Susaeta. Mais Matheu Laoz était tout près de l'action, pas de coup de sifflet. Alors que nous connaissons déjà des résultats de cette 14e journée de la Liga. Getafe a battu Malaga 1-0 et puis surtout Valence s'est incliné à domicile face à la Real Sociedad de Philippe Montagnier. Une défaite cuisante 5-2 face aux Basques. Et Valence qui provisoirement se retrouve 12e au classement. Susaeta. La passe elle a été interceptée par Jordi Alba. Et tout raspé avec Ramalho. De Marcos. Beaucoup de jeu à droite avec un nouveau Oscar De Marcos qui va aller mettre ce ballon pour Susaeta. Il a laissé passer pour Aduriz. Ibai Gomez est encore trop discret sur le côté gauche. Iniesta. Il voulait alerter Lionel Messi. Interception à Amore Bieta. Et l'Atleti essaye de ne pas trop subir la foudre et les vagues offensive de Barcelone. La relance de Valdés pour Piqué. La nouvelle montée de Piqué, il n'est pas attaqué. Adriano. Ah, bien joué, magnifique de la part d'Adriano qui va essayer ensuite de peut-être s'appliquer sur son centre. Que va faire le Brésilien? Préfère assurer vers Busquets. Voilà, et toute cette masse Blaugrana concentrée dans l'axe. Messi va aller justement chercher Jordi Alba. Barcelone maîtrise ce match, maîtrise de ballon. Aucune raison de vite se projeter vers l'avant. La passe dans le dos de Piqué. C'était pour Iniesta. Et tout de suite, Fabregas va monter au pressing. Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'Atleti Bilbao. Ballon récupéré à nouveau par Lionel Messi. Que va tenter Lionel Messi face à 2-3 joueurs. Et il a essayé de jouer petit encore entre les lignes. Adriano. Mascherano. Le Barça qui, lors des 6 dernières journées en Liga, a toujours marqué au minimum 3 buts. Et là, doucement,
le jeu des Barcelonais se met en route. Iniesta vers Jordi Alba, l'accélération de Jordi Alba, elle a porté ses fruits car il a empêché le ballon de sortir. Et la remise en jeu est pour les joueurs de Tito Villanova. Fabregas, talonnade de Jordi Alba pour Iniesta, c'est bien joué. Fabregas ne passe pas en vitesse et en accélération devant Ekidza qui relance sur Ander Herrera. Bon appel de balle de Demarcos. Ah, mésentente là aussi avec Markel Sousaeta. Valdés. Il n'y a pas de faute. Et la récupération de Lionel Messi, ça peut être une passe décisive de la part de Valdés. Lionel Messi qui va aller tourner sur lui-même. Aller se mettre sur son pied droit. Ah, il va essayer de contourner toute la défense basque. Quel bon décalage pour Andrés Iniesta. Et cette fois-ci, le retour est payant de la part de Ramalho. La défense de l'Athletic complètement attentiste au moment du dégagement de Valdés. Et Lionel Messi a failli en profiter derrière. Voilà, nous voici bien après le dégagement. Et puis cet appel de balle, cette entente, comme toujours, entre Messi et Iniesta. Corner pour le FC Barcelone. Oui, c'est Messi qui va aller le tirer. Peut-être une combinaison Messi qui va aller mettre ce ballon en plein cœur de la surface avec la frappe de Fabregas. La parade de Raissos et le premier but. Il est signé Gérard Piqué en faveur du Barça. La domination concrétisée par ce but plein d'opportunisme de la part du défenseur central. Barcelone, logiquement, mène 1-0. Et voici le premier but cette saison de Gérard Piqué. Sa dernière réalisation en Liga remontait au 24 mars. C'était à Majorque. Et là, il est resté bien placé jusqu'au bout. Messi tire ce corner. Belle frappe de Fabregas. La parade également est réussie de la part d'Iraissos. Mais il est plein de frustration, le gardien basque. Car derrière, c'est Gérard Piqué seul qui va aller reprendre ce ballon. Ses défenseurs ont complètement abandonné le marquage. 1-0 pour le Barça. Et voilà qui porte donc l'avance provisoirement, cette fameuse avance du Barça avant le derby madrilène. Eh bien Barcelone a maintenant 6 points d'avance sur l'Atlético, 14 sur le Real Madrid. Mais ce match n'est naturellement pas terminé. Bon décalage. Demarcos qui va aller trouver Ramalho. La montée de Ramalho, le centre a été contré par Jordi Alba. Et bon contrat exploité pour les Blaugrana avec Lionel Messi. Xavi. Oh, quelle belle passe de Xavi. Merveilleuse pour Adriano. Le centre d'Adriano est encore un très très intéressant. Un centre fort. Difficile à reprendre pour les défenseurs. Busquets. On voulait trouver Lionel Messi. Belle intervention de Piqué avec Busquets. Fabregas. Jordi Alba complètement seul. Fabregas a poursuivi son action. Jordi Alba qui va aller. C'est Pedro qui va aller contourner Ramalho. Le très bon centre de Pedro. Et le dégagement. On dit tout raspé. Bilbao est réellement en train de souffrir. À l'image d'Aritz Aduriz. Complètement seul maintenant à la pointe de l'attaque. Xavi. Oh, quelle belle passe de Xavi pour Lionel Messi. La balle du 2-0 pour Lionel Messi qui va aller défier Raissos. Et c'est le deuxième but pour le Barça malgré le retour d'Amore Bieta. Lionel Messi marque son 189e but en Liga. Il n'est plus qu'à une unité du record de César Rodriguez, meilleur buteur de l'histoire du Barça en championnat. Lionel Messi célébré par le Camp Nou. À des minutes très très compliquées, la cauchemardesque
pour les joueurs de Marcelo Bielsa. Encore une énorme erreur de marquage au départ de l'action. Ah, il sort très vite. Damore Bietra, grâce à son accélération, Lionel Messi n'est pas attaqué ensuite par Ekidza. Quelle passe millimétrée de Xavi. Ekidza trop court. Et Messi qui va aller glisser ce ballon malgré le retour. Damore Bietta, il a le temps de regarder autour de lui l'Argentin. Est-ce que ce ballon... était cadré, en tout cas. C'est fait 2-0 pour les Barcelonais. Carton pour Busquets. Lionel Messi qui vient d'inscrire eh bien, son 20e but en championnat. Voilà pourquoi Busquets s'est averti. Et coup franc en faveur de Bilbao. 2-0 après simplement 26 minutes de jeu. C'est peut-être le moment de revenir dans la partie pour Bilbao afin de ne pas sombrer. Xavi, Fabregas, ouais. Magnifique double contact de Fabregas, Adriano. Techniquement, il n'y a évidemment aucune comparaison possible. Pedro a tenté à nouveau d'accélérer. Ballon pour Iraissos. Iniesta qui prend le couloir droit car Pedro est lui passé dans le couloir opposé. Oui, petit signe de mécontentement de Tito Villanova, très très exigeant avec ses joueurs. Messi, le festival de Lionel Messi devant De Marcos. Xavi, quelle vision du jeu. Xavi, il savait avant de recevoir le ballon ce qu'il allait faire et trouver Pedro. L'accélération, la frappe de Pedro, ça passe à côté du but d'Iraissos et à nouveau Barcelone insiste dans ce couloir droit occupé par Ramalho. Pedro, lui, qui est un petit peu en manque de réussite, il n'a plus marqué en championnat depuis la première journée. Amore Bietta. Iraissos vers Ramalho, battu dans la conquête du ballon. C'est Jordi Alba là qui a pris un coup. C'est pas le plus imposant dans les airs, Jordi Alba. 1m70. Et il a 11 cm de moins que Ramalho. Ibai Gomez, très discret dans ce match. La passe d'Ibai Gomez, il y a l'idée vers De Marcos. Il a manqué son contrôle. L'Athletic Bilbao qui marque toujours depuis 7 journées. La dernière fois sans y parvenir, c'était le 29 septembre face à la Real Sociedad de Philippe Montagnier. Pour les Barcelonais, aucun pour Bilbao. Et si ce deuxième but barcelonais est bien attribué à Messi et pas à Amore Bietta, eh bien ça serait le 83e but de Messi en 2012, à deux buts du record de Gerd Müller. Piqué avec Pedro. Voilà, même Adriano maintenant joue beaucoup beaucoup plus haut. Busquets. La dernière heure de jeu va être ultra compliquée pour la formation basque. Totalement privé de ballon et déjà mené 2-0. Iniesta, magnifique. Fabregas. Piqué. Ah,
Carmelo à la touche. Piqué. Messi. Prise de balle, accélération, c'est le schéma de Lionel Messi qui va aller encore défier la défense. Le tir a été contré, récupération, Fabregas, le tir de Fabregas, ça passe pas très loin du but d'Iraissos. Lionel Messi était encore à l'origine de cette action. Petit signe de mécontentement pour Lionel Messi qui aurait voulu aller au bout de son sprint. Et c'est parce qu'il est aussi accroché de tous les côtés, Lionel Messi. C'est Itur Aspe qui revient sur lui, Amorebieta le contre. Et derrière, excellente frappe de Fabregas à quelques centimètres de la lucarne d'Iraissos. Ander Herrera avec Itur Aspe, le ballon dans les pieds d'Amorebieta. À Orten Eche en déviation. Ibai Gomez, c'est difficile. Deux joueurs face à lui, grosse discipline d'Adriano et de Piqué au marquage. Remise en jeu d'Adriano, Fabregas, Ibai Gomez. Bon ballon à exploiter, Ander Herrera, Oscar De Marcos. Le tir de De Marcos contré par Busquets, il y avait mieux à faire pour De Marcos, comme maintenir la progression du jeu avec des passes au sol et dans les espaces. C'est tellement rare pour Bilbao qu'il faut en profiter, comme ici. De Marcos, bien joué. Susaeta, Ramalho, appel de balle de De Marcos. Il y a du monde au centre s'il parvient à redresser ce ballon. C'était difficile, mais face à Javier Mascherano, il obtient le corner. Voilà, et vous écoutez Valdés placer ses défenseurs. Corner pour les Basques. Adoriz est très fort dans le jeu de tête. C'est finalement la montée d'Amorebieta qui a failli être servi. Fabregas, le contre peut être à nouveau fatal avec Lionel Messi. Décalage sur Xavi qui se remet sur son bon pied. Tout de suite la lecture du jeu. Fabregas, c'est magnifique, il était au départ de l'action. Pedro hors-jeu, c'est presque dommage pour cette action barcelonaise qui était encore un modèle de contre. Et il est bien hors-jeu, Pedro. Et voilà ce fameux but contre son camp d'Amorebieta. Alors, est-ce que le tir de Messi est cadré? Peut-être. C'est en tout cas difficile de le juger. Mais Lionel Messi rate très très rarement sa cible lorsqu'il est ainsi face au but. Et la question qui est sans doute en train de se poser, la réalisation espagnole, c'est à qui attribuer ce but? À Messi ou à Amorebieta? La faute de De Marcos. Voilà ce ballon piqué de Messi. Et donc le retour d'Amorebieta, la joie de Tito Villanova. Alors si vous allez le site, si vous allez sur le site de Marca, marca.com, eh bien évidemment le but est accordé à Amorebieta contre son camp. Inversement, si vous allez sur le site officiel du FC Barcelone, eh bien le but pour le moment est accordé à Lionel Messi. Le dégagement d'Amorebieta, difficile dans les pieds d'Ibai Gomez. À Orten Eche, plein axe vers Ander Herrera. Oups là, Amorebieta trop court. Iraissos, voilà, l'athlétine ne parvient pas à se dégager. Peut-être ici avec le très très bon Itur Aspe. Ah, la passe précise pour De Marcos. C'était Aritz Aduriz. Le décalage d'Ander Herrera pour Ramalho. Les 10 dernières minutes de cette première période. Le centre de Ramalho n'était destiné presque à personne. Il avait mis un ballon comme ça, imprécis. Il a abandonné son couloir droit. Balle de contre pour le Barça avec Andrés Iniesta qui lève tout de suite la tête. Andrés Iniesta, l'accélération. Oh, la conduite de balle. Il a éliminé trois joueurs. Exceptionnel, Andrés Iniesta. Il ne sera malheureusement sans doute pas ballon d'or. Mais en tout cas, il est sur le podium. C'est sûr, il fait partie des finalistes avec Messi et Ronaldo. Lionel Messi, immense favori à sa propre succession. Voilà, la faute d'Itur Aspe, il peut prendre un carton jaune pour cette faute.
Lionel Messi prend le temps d'aller poser ce ballon et d'aller inquiéter à nouveau Iraissos. Vraiment pas rassuré au moment de placer son mur. Il y a Xavi, il y a Messi. Vous vous souvenez forcément de son coup franc exceptionnel réussi face au Real Madrid lors du Classico le 7 octobre dernier. Lionel Messi, duel à distance face à Iraissos. Lionel Messi qui va aller brosser son ballon. Ça passe à côté du but d'Iraissos. Ah, le ballon qui passe finalement largement à côté. Pas suffisamment d'effet dans son tir. Matteo Laos interrompt le jeu. Andrés Iniesta. Fabregas. Il t'a retenu. Xavi. Busquets. C'est ce que Fabregas. Busquets. Oh, la passe en première intention. Elle peut être décisive. Andrés Iniesta qui va aller accélérer devant Mekhitza. Conserver le ballon face à Ramalho. Et ça sort. C'est une touche pour le Barça. Nous vous rappelons le choc de cette 14e journée. C'est juste après cette rencontre à 22h sur beIN Sport 1. Le derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Attention à Jordi Alba qui va lever la tête au centre. Ah, il faut les remettre à Lionel Messi. Derby madrilène avec Alexandre Ruiz et Omar Da Fonseca qui sont à Santiago Bernabéu pour vous faire vivre cette rencontre. Et pour le moment, Barcelone a virtuellement 6 points d'avance sur les Colchoneros et 14 sur le Real Madrid. Piqué. Pedro. Piqué. Valdés. Busquets perd le ballon. Belle récupération de Markel Susaeta. Il faut qu'il garde le ballon, qu'il attend du soutien. Ander Herrera, la passe est trop puissante. Le retour d'Itour Aspe. Très belle récupération avec l'accélération maintenant de Pedro. Le ballon un petit peu dans ses talons. Mais derrière, c'était pas grave car Xavi récupère et s'amuse là encore de De Marcos. Oh, extraordinaire encore. Démonstration de Xavi. Fabregas, accélération tout en douceur devant à nouveau Ramalho. Bien joué de la part d'Ander Herrera avec Ibai Gomez. Obligé de remettre derrière. Et attention à ne pas s'effondrer. Xavi, le coup d'œil de Xavi pour aller servir. Ouh, l'accélération de Messi. Belle interception cette fois-ci d'Ekidza. Amore Bieta. Oh, ballon perdu. Xavi au bord de la rupture. Fabregas, l'Athletic Bilbao avec Lionel Messi qui va l'accélérer à nouveau devant Ramalho. Ballon en retrait. Balle de 3-0. La frappe de Fabregas, la parade d'Iraissos. Lionel Messi ne peut reprendre ce ballon derrière. La talonnade de Messi. Voilà, et cette fois-ci, les Basques ont été beaucoup plus vigilants. Après la prise de balle et le ballon repoussé par Iraissos, un Barcelonais a été touché. Il faudra revenir sur cette image. Busquets a été battu dans la conquête du ballon. Appel de balle de Susaeta. Récupération. Victor Valdés qui va aller sans doute mettre ce ballon en touche pour permettre au staff du Barça d'aller prendre des nouvelles de Jordi Alba. C'est dans ce duel avec Ramalho que Jordi Alba se fait mal. Ah, il lui marche involontairement dessus, Ramalho. Alors, quelle décision pour Jordi Alba. Voilà, ça se passe au niveau des pieds. Déjà, il glisse tout seul en fait. Jordi Alba
il se tord la cheville gauche tout seul, la cheville gauche. Ah, et c'est bien ça, il n'y a en fait aucun contact, aucun mauvais geste de la part de Ramalho. Et Jordi Alba, il a visiblement envie de poursuivre cette partie. Martin Montoya part à l'échauffement. Ah, ça nous permet de faire un petit point sur les blessés du côté de Barcelone. C'est une vraie malédiction cette saison en défense pour les Blaugrana, puisque 6 des 7 défenseurs ont été blessés cette saison, dont Jordi Alba déjà. Tito Villanova a usé de 16 défenses différentes dans cette, au cours de cette saison. Voilà, il va revenir sur le terrain, Jordi Alba, pour les 4 dernières minutes de cette première période. Applaudi par le Camp Nou. Iturraspe. Ekidza avec Ramalho. Ballon encore un petit peu trop court là pour Iturraspe. Javier Mascherano. Adriano. On va aller trouver Busquets. Javier Mascherano. Xavi. Gérard Piqué. Barcelone conforte sa position de meilleure attaque de la Liga. Cela fait maintenant 45 buts marqués. Le Barça qui marque une moyenne de plus de 3 buts par match. Javier Mascherano, accélération. Fabregas, Messi, Fabregas, Xavi, Messi, Fabregas. Oh, la passe, elle est parfaitement dosée avec le contrôle de Jordi Alba qui va les remettre pour Andrés Iniesta. Le tir d'Andrés Iniesta finit à côté du but d'Iraisos. Buteur lors de la dernière journée contre Levante. Cette fois-ci, Andrés Iniesta n'est pas parvenu à redresser ce ballon, pas facile, pas facile, car il va le chercher derrière lui. Allez. 63% de possession de balle pour les Barcelonais. Ça va beaucoup mieux, en tout cas pour Jordi Alba, il était touché tout à l'heure. Et là, il a été presque passeur décisif. Ça, c'était la précédente occasion de Fabregas avec ce tir repoussé par Iraisos, qui va cette fois-ci va relancer dans la difficulté avec un ballon qui va peut-être atterrir dans les pieds de Lionel Messi qui l'attendait à l'entrée de la surface. Fabregas avait pris sa position plein axe et intelligemment Messi était resté juste derrière. Ibai Gomez. Amore Bieta. Ibai Gomez. Ibai Gomez qui est l'ailier gauche de l'Atleti. Contré par Busquets. Un petit peu de réussite pour Ibai. Ander Herrera. Iniesta. Ander Herrera. Très très bien joué. Ah, il n'y a pas cru. Ibai Gomez. Ander Herrera fait aussi un bon choix en mettant le ballon en profondeur. Ibai Gomez le voulait dans les pieds. Quel beau 1-2 encore. Fabregas. Les toutes dernières secondes de cette première période. Messi. Iniesta. Adriano. Iniesta. Fabregas. Piqué. Oh, c'est bien joué encore de la part de Xavi et de Busquets. La dernière accélération peut-être de Xavi. Qui va aller trouver Pedro en 1 contre 1 face à Ramalho. Oh, quelle talonnade exceptionnelle de Pedro qui va aller trouver Jordi Alba. Le centre au premier poteau pour la reprise de Messi. Ce ballon heurte la barre
mais ne pénètre pas dans le but. Collectivement, c'était encore extraordinaire ce que les joueurs de Tito Villanova ont réussi avec la talonnade de Pedro, le débordement de Jordi Alba. Le voici à nouveau Pedro dans 7 minutes de temps additionnel. Messi, il est passé en vivacité devant Ramalho. Jordi Alba, Messi, Lionel Messi qui va entrer dans cette surface de réparation. Les crochets de Messi, comme toujours en retrait, Fabregas qui va aller trouver l'appel de balle d'Adriano. C'est extraordinaire, 3-0 pour les Barcelonais. Un but modèle, un but génial pour le Barça. Tout avait commencé à gauche et l'action se termine dans le couloir opposé. Grâce à Adriano, Barcelone poursuit sa démonstration, 3-0. Quelle action encore très très impressionnante développée par les Barcelonais. La moue de Marcelo Bielsa et celle de son portier Iraissos. À la pause, Barcelone mène 3-0, mais revoyons son but. Lionel Messi à l'origine, Fabregas intelligemment. Il va aller doser cette passe pour Adriano qui est l'arrière droit du Barça. Et là encore, il va aller finir comme un vrai joueur offensif, Adriano. La passe exceptionnel de Fabregas et grâce eh bien, à ce récital, Barcelone à la mi-temps mène 3-0 face à Bilbao et s'échappe en tête de la Liga. Le coup d'envoi de ces 45 dernières minutes avec un changement du côté de l'Atleti Bilbao, c'est l'entrée en jeu de Fernando Llorente. À 3-0, ça va être quasi impossible pour les Basques de renverser la tendance tellement les Barcelonais ont été largement supérieurs au cours des 45 premières minutes. Barcelone en route donc vers ce fameux record. Barcelone qui est maintenant à 3 quarts d'heure d'empocher une 13e victoire cette saison en Liga et de réaliser le meilleur départ de l'histoire du championnat d'Espagne. Et c'est Aritz Adoriz qui a quitté ses coéquipiers. Le ballon pour Piqué, alors que le deuxième but a été accordé à Lionel Messi. Bien joué, excellent décalage. Et pas de changement du côté du Barça. Le voici, Fernando Llorente. Buteur cette semaine en Ligue Europa contre l'Apoel Kiryat. Fernando Llorente en disgrâce avec Marcelo Bielsa cette saison. C'est sa 9e apparition. Il n'a été titulaire qu'une seule fois. C'était contre le Depor le 25 novembre. La touche d'Adriano. Messi. Jordi Alba, Fabregas, passeur d'anthologie sur le troisième but d'Adriano. Fabregas qui va à nouveau entrer dans la surface. L'accélération, le centre de Fabregas. Personne pour reprendre ce ballon au deuxième. Pedro, mais pas de Lionel Messi qui était resté assez loin de l'action. Le Barça tout près d'enchaîner une 7e victoire consécutive en Liga. Les derniers points et les seuls points d'ailleurs abandonnés cette saison, c'était lors du 2 partout, ici même face au Real Madrid. Ramalho. Ballon à destination de Markel Susaeta, contré par Javier Mascherano. L'Atleti qui va avoir des prochaines journées très importantes dans la lutte pour le maintien, avec la réception du Celta Vigo 15e et un déplacement compliqué à Majorque 16e. Appel de balle de Llorente, récupération de Piqué. Pedro, et coup franc pour les Basques. Le calendrier du Barça n'est pas évident non plus, avec un match au Betis Séville et puis la réception de l'Atlético Madrid, son dauphin.
des chocs que vous suivrez évidemment sur les antennes de beIN Sports. Plongeon de Ander Herrera, pas de faute sur le milieu de terrain basque, Ibai Gomez. En duel face à Adriano, Ibai Gomez conserve très bien le ballon. À Orteneche, Ituraspe. À nouveau Ibai Gomez. À Morebieta, pressé par Lionel Messi. Ah, c'est beaucoup trop lent dans la construction du jeu. Du côté de l'Atleti, Busquets, Fabregas, Xavi, Iniesta. Fabregas, Messi, qui est donc à un but pour égaler le record de César Rodriguez et atteindre les 190 buts en Liga avec le Barça. Il deviendrait donc ainsi, avec César Rodriguez, et bien meilleur buteur de l'histoire du Barça en championnat. Un record que Messi va même sans doute pulvériser. La remise en jeu de Jordi Alba. Voici le précédent duel entre Piqué et Ander Herrera. Mascherano va aller rendre ce ballon à Morebieta, à Orteneche. Ouais, c'est une bonne passe à destination d'Ituraspe. Sergio Busquets. Un petit peu plus de présence là pour l'Atleti dans les duels. Retour sur la pelouse du Camp Nou avec de l'orgueil, l'envie d'aller marquer un but. Appel de balle, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et il y a balle de but pour Markel Sousaeta, finalement signalé par Matteo Laoz. Il va aller reprendre son couloir droit, Sousaeta. Oui, bien en position de hors-jeu. Piqué avait bien joué le coup. Le Barça qui encaisse toujours au moins un but lors de ses trois derniers matchs au Camp Nou. La dernière fois, sans en prendre, c'était le 22 septembre face à Grenade. Llorente, Piqué, Valdés, Alba. Passe par Javier Mascherano. Piqué avec Javier Mascherano. Pedro. La dernière défaite du Barça, c'était en face à Bilbao. C'était en mai 2006. Une défaite 3-1 à San Mamés. Et à l'époque, il y avait Ludovic Joly et même Ludovic Silvestre qui avait joué ce match. Ludovic Silvestre, le français, qui porte aujourd'hui les couleurs de Blackpool. Sousaeta. Jordi Alba laisse ce ballon à Piqué. Xavi, Iniesta, Piqué, Valdés. Montée, c'est quasiment la première de Javier Mascherano. Pedro, Xavi, Adriano. Busquets. Iniesta devant Ramallo, qui a beaucoup de mal, évidemment. C'était prévisible, Ramallo face à la mobilité d'Andrés Iniesta, à la vitesse de Jordi Alba. Et là, c'est Pedro, couloir opposé, qui va lui aussi partir dans ses dribbles. Fabregas, Adriano, Iniesta, Pedro, Fabregas, Adriano, Pedro, Iniesta. Voilà, toujours cette conduite de balle très caractéristique d'Andrés Iniesta. Messi, il y a eu un contact. Andrés Iniesta a fini au sol.
Bon jaillissement de Pedro. Xavi. Iniesta. Messi. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Intervention d'Orteneche. Et le ballon qui va rester pour Lionel Messi. La frappe de Messi. Elle est à nouveau repoussée par Iraissos. 311 buts en 426 matchs pour Lionel Messi, club et sélection confondus. Et la belle parade à nouveau d'Iraissos pour aller repousser cette frappe de l'Argentin. Jordi Alba. Mascherano. Le coup d'œil de Mascherano pour trouver Piqué. Tête de Iniesta. Messi. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Ah, il profite de l'appel de Jordi Alba pour revenir plein axe. Le 1-2 a marché avec Messi, la talonnade. Andrés Iniesta, c'est exceptionnel pour Lionel Messi dans la surface. Ah, il en a le sourire. L'action était tellement encore merveilleuse de la part de ces deux joueurs, les deux finalistes du Ballon d'Or. Messi, Iniesta, les yeux fermés, les passes dans le dos, les talonnades. Et il manque peu de choses à Lionel Messi pour concrétiser cette somptueuse occasion. Commence à être agacé. Andrés Iniesta, il prend pas mal de coups. Iturraspe averti par Matteo Laos. L'Athletic Bilbao qui ne totalise que 4 victoires en 13 journées. Et est-ce qu'il y a une faute d'Ander Herrera sur Lionel Messi? L'Argentin souhaitait un penalty. Oscar De Marcos se fait soigner au bord du terrain. Le numéro 10 basque peut revenir sur la pelouse. Xavi. Piqué. Valdés. Piqué. Pedro. Accélération à nouveau de Pedro. Lionel Messi qui va aller peut-être éliminer. Une balle au pied. Jordi Alba. Iniesta. Et probablement l'entrée en jeu de Fernando Llorente ne change rien. Mais c'était un petit peu prévisible car l'Atleti n'a pas le ballon. Et Fernando Llorente en pointe dépend aussi de la performance de ses coéquipiers. Fabregas, peut-être une nouvelle passe lumineuse de la part de Fabregas. Cette fois-ci, pas assuré vers Messi. Coupe là. Le ballon arrive pour Andrés Iniesta qui va aller trouver l'extérieur du pied. C'est encore extraordinaire. Fabregas qui va aller marquer le 4e but pour les Barcelonais. Quelle passe encore. Et Fabregas vient marquer le 4e but des Barcelonais. 4-0, le masque des joueurs de l'Athletic Bilbao. Fabregas, auteur d'une passe extraordinaire pour Adriano. Et bien, cette fois-ci, il donne encore plus d'ampleur au score. Barcelone mène 4-0. Andrés Iniesta, génial pour aller trouver Fabregas. Là où tout le monde pense qu'il va aller trouver Pedro à gauche, eh bien Andrés Iniesta, au tout dernier moment, va décaler avec l'extérieur du pied Fabregas, buteur lors de la dernière journée contre Levante. Barcelone se balade 4-0. Busquets. Pedro. Mascherano, Iniesta, Ander Herrera, Llorente, ouais, battu par Javier Mascherano, Susaeta, le centre de Markel Susaeta sur la tête de Piqué, Jordi Alba, Fabregas avec Xavi, Iniesta, contrôle un petit peu trop facile, la pour Pedro, le ballon lui échappe. Un but important, là aussi pour Fabregas, son 5e cette saison en Liga.
il est en train de s'imposer dans l'entrejeu du Barça. 13 tirs pour les Barcelonais, toujours aucun pour l'Athletic Bilbao. Fabregas revient défendre, mais ce ballon lui passe par-dessus. Ramayo. C'était pour Susaeta. Voilà, et Fabregas qui avait parlé à Javier Mascherano. Le cauchemar de Marcelo Bielsa. Ancien entraîneur d'ailleurs de l'Espagnol Barcelone. Et Dodo, la sérénité, la grande satisfaction de Tito Villanova. Les buteurs s'enchaînent. Messi, Iniesta, Fabregas. Iniesta passeur, mais pas encore buteur. Valdés. Le Barça qui l'an passé avait battu Bilbao en finale de la Copa del Rey. Victoire 3-0 avec un doublé de Pedro et un but de Lionel Messi. Jordi Alba. Piqué. Voilà, et nouveau par Lyon, donc de ce double objectif pour les Barcelonais. Prendre provisoirement 14 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer à 22h face à l'Atlético. Attention là à Fernando Llorente qui est demandé ce ballon plein axe. Le centre justement pour Fernando Llorente passe à qui va les frapper. Oh, ça passe pas très loin du but de Valdés, servi par Ander Herrera. Fernando Llorente en manque de réussite, lui qui n'a marqué qu'un seul but cette saison en Liga, c'était contre l'Espagnol fin septembre. Et revoici la passe magique d'Iniesta pour Fabregas et le 4-0. Voilà, et donc Barcelone s'échappe, 6 points d'avance sur l'Atlético, 14 points d'avance sur le Real Madrid. Tout cela est provisoire car vous le savez, juste après ce match, à 22h sur beIN Sport 1, vous avez rendez-vous avec Alex Ruiz et Omar Da Fonseca pour le derby de Madrid à Santiago Bernabéu. Et avec cette nouvelle victoire qui se dessine, eh bien Barcelone va réaliser le meilleur départ de l'histoire de la Liga avec donc 13 victoires et un nul. Mascherano pour Jordi Alba. C'est Susaeta qui est obligé de revenir face à Jordi Alba. Il a cherché le petit pont face à Susaeta. Ramalho. Susaeta avec Iraisos. Oh, la relance complètement ratée sur Busquets. Messi voulait ce ballon. Iturraspe pris par Xavi, il est obligé de revenir en arrière. Iraisos, voilà, et toujours ce pressing des Barcelonais malgré les 4 buts d'avance, malgré l'archi-domination. Ander Herrera, le très bon coup d'œil pour aller trouver Ibai Gomez. Il y a Llorente et De Marcos en retrait. Adriano revient encore très très fort pour aller dégager ce ballon. La belle déviation, la talonnade d'Ander Herrera vers Fernando Llorente. Adriano. Toquero va entrer en jeu pour l'Atleti, sans doute à la place de Ibai Gomez. Et Kidza en difficulté. Susaeta, Iturraspe. Ramalho. Iturraspe contré. Tête de Alba. Busquets. Bon contre à exploiter avec De Marcos. Et Ander Herrera qui va aller trouver Oscar De Marcos à nouveau en retrait. Pour Ander Herrera, le tir d'Herrera. Ça passe juste à côté.
de la cage de Valdés. Belle prise d'initiative là aussi pour le milieu de terrain de l'Athletic Bilbao. Ah, il était battu Valdés sur ce ballon qui vient frôler son montant. Voilà l'entrée en jeu de Gaizka Toquero. Et c'est finalement Susaeta qui sort. Il va apporter sa vitesse, sa fougue. Toquero met à 4-0. Ça va être aussi des minutes très très difficiles pour lui. Xavi. Amore Bieta. Le Barça qui avant ce match avait réussi 24 buts lors des 6 dernières journées. Eh bien, la moyenne de 4 buts par match est maintenue avec ce résultat pour le moment. Ekidza, Ramalho, contrôle difficile devant Jordi Alba. Et c'est sans doute bientôt l'heure des changements pour Tito Villanova. Attention à ce ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu avec Ibai Gomez qui vient marquer en faveur de l'Athletic Bilbao. La déception de Valdés, la déception de Piqué, car c'était important aussi pour le Barça de ne pas prendre de but. Et bien cette fois-ci, la défense Blaugrana a été piégée. But d'Ibai Gomez, 4 buts à 1 pour le Barça. Et l'alignement est complètement raté. Piqué et Mascherano étaient bien montés de leur côté. Hey, Ibai Gomez qui vient tromper Valdés. Andrés Iniesta au sol, il est repris par Ramalho. Il a encore fait un dribble. Important là, Andrés Iniesta. Très bon coup franc tiré par Xavi. Sortie approximative d'Iraisos. Tête de Toquero. Mascherano. Pedro avec Fabregas. Pedro. Busquets. Messi. Sort du marquage. Lionel Messi qui va essayer de trouver le 1-2. Avec Piqué. Ekidza. Seizième but encaissé cette saison par les Barcelonais qui, nous vous le rappelons, n'avaient que la cinquième défense de la Liga avant cette rencontre. Piqué. Et sur le but d'Ibai Gomez, c'est sans doute Adriano qui n'a pas bien suivi la montée de ses coéquipiers pour jouer le hors-jeu. Accélération. Ah, il s'en veut là, Fabregas. Peut-être un petit peu de précipitation dans son dernier geste servi par Lionel Messi. Et il essaye de trouver le deuxième poteau, la lucarne opposée. Llorente joue en retrait. Iturraspe. Et pourquoi c'était important pour le Barça de ne pas prendre de but? Attention à cette ouverture de Toquero. Car maintenant, en 14 matchs de championnat, simplement 4 fois, le Barça a fini sans prendre de but. Iniesta voulait hériter de ce ballon. Javier Mascherano. Encore une grosse vingtaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie.
piqué, amorti pour Fabregas. Adriano. Piqué. Gérard Piqué accélère devant Fernando Llorente. Fabregas. Messi. Fabregas. Iniesta. Adriano. Xavi. Fabregas. C'est encore très très bien fait. Il y a de plus en plus d'espace. L'ouverture de Fabregas avec le ballon qui arrive pour Pedro. La frappe de Pedro. Récupération de Lionel Messi face à Yarasos et toute la défense de l'Atleti Bilbao. Pedro va essayer de s'en sortir par ses dribbles, par son centre de gravité assez bas. Pedro, magnifique, vers Jordi Alba. Lionel Messi, nouveau crochet, la frappe de Messi, c'est dans la lucarne de Yarasos. 5 buts à 1 pour le Barça. C'est un moment historique pour Lionel Messi. 190e but en Liga avec le Barça. Il égale le record de César Rodriguez qui avait aussi marqué 190 buts entre 1942 et 1955. Lionel Messi et César Rodriguez sont les meilleurs buteurs de l'histoire du Barça pour le moment en Liga. Ah, l'action était partie de très très loin avec Pedro qui avait d'abord tenté sa chance et ensuite le travail énorme de Pedro pour aller garder le ballon, pour refaire partir cette attaque du Barça. Et Messi du pied droit, il va aller faire la différence. Et vous savez que chaque but maintenant de Messi appelle un record. Il n'est plus qu'à un but du record de Gerd Müller sur le nombre de buts sur une année. Et il lui reste encore beaucoup beaucoup de temps à Messi pour aller chercher ce 85e but en 2012. La passe vers Toquero. Retour de Jordi Alba. Alors le premier changement, c'est Montoya qui va entrer en jeu pour le FC Barcelone. Doublé de Lionel Messi. Ça commence à faire beaucoup. Il en est à 21 buts en Liga. 9 doublés, 1 triplé. La dernière fois qu'il n'a marqué qu'un seul but dans un match de championnat, c'était le 10 avril contre Retafe. Et depuis, c'est minimum 2 buts par match. De Marcos. Ballon par-dessus avec la volée d'Ander Herrera. C'était bien tenté. Beaucoup d'audace et de spontanéité dans cette tentative. Song s'apprête à entrer. Voilà, les trois changements sont prêts pour Tito Villanova. Le premier, c'est Martin Montoya à la place d'Adriano. Adriano buteur dans les arrêts de jeu de la première période. Changement pour les Basques, l'entrée en jeu de San José à la place de Ramalho. Et bien voilà, c'était un match anglais sur Ramalho pour sa première apparition. Il a eu beaucoup beaucoup de difficultés et il cède sa place, Ramalho. Entrée en jeu de Thiago Alcantara à la place d'Andrés Iniesta, passeur extraordinaire sur le but de Fabregas. Et le dernier changement,
c'est Alex Song qui va entrer dans cette formation barcelonaise. Tête de piqué. Fabregas, un petit peu sonné, la reste au sol, relevé par Xavi. Ah, il prend une grosse charge dans son dos. D'abord Teneche. Piqué, c'est Messi là qui est tout près de son défenseur. La belle passe de Pedro. Busquets, ah, lui se retrouve ailier. Le Barça en roue libre pour ce dernier quart d'heure. Premier ballon pour Martin Montoya. Voilà l'entrée en jeu d'Alex Song et la sortie de Busquets. Montoya aidé par Pedro à la récupération du ballon. Tour aspect. C'est là que c'est difficile pour l'Athletic d'aller se projeter vers l'avant. Iraissos. Ouf, grosse erreur d'Iraissos. Cette défense de l'Athletic. À nouveau sollicité. Elle qui encaisse toujours au moins un but depuis 7 matchs maintenant. La dernière fois sans en prendre, c'était le 7 octobre face à Osasuna. Jordi Alba. Oh, il a failli réussir son passement de jambe grand pont, Jordi Alba. Voilà, et ça fait sourire le banc barcelonais. Sous le regard de Carles Puyol, la talonnade de Fabregas pour Jordi Alba. Nouveau grand pont tenté par Jordi Alba. C'est l'une de ses spécialités. Et c'est une remise en jeu pour Bilbao. Et voici le cinquième but barcelonais, le doublé pour Lionel Messi. Cette frappe somptueuse en pleine lucarne qui fait sourire, rire même le banc barcelonais. Xavi avec Lionel Messi. Attention à ce ballon en retrait. Iraissos ne peut empêcher le corner concédé par Amore Bieta. Le troisième corner pour les Catalans. Voilà, et là les Basques sont en train de se parler comment défendre, comment se positionner. Toquero, Fernando Llorente sont revenus défendre. Xavi. Très bien frappé de la part de Xavi vers la tête de Song. Récupération de Thiago avec Messi. Ouh, le centre de Lionel Messi. Xavi. Montoya avec Thiago Alcantara. Fabregas. Accélération de Fabregas qui va entrer dans la surface. Fabregas n'est pas passé. C'était encore très très bien joué. Peut-être un petit peu trop solitaire sur la fin. Toquero. Oh, la bonne passe, piqué, c'est manqué. Et heureusement derrière il y a la position de hors-jeu à nouveau d'Ibai Gomez. Cette défense du Barça qui parfois se relâche. Oui, il est bien hors-jeu. Cette fois-ci c'est bien joué de la part de Piqué. Ibai Gomez avait bien quelques centimètres d'avance. Nouveau ballon
à destination de Lionel Messi. Tous les Barcelonais vont jouer pour lui, qu'il aille marquer ce triplé, qu'il aille chercher le record de Gerd Müller. Quelle sortie de balle encore. Piqué. Montoya. Xavi. Thiago. Mascherano. Song, un tout petit peu trop court. Alex Song. Llorente. Ballon approximatif, remise en jeu pour Barcelone. À Ortenecie pour la touche. En championnat, le dernier match de Bilbao sans prendre de but à l'extérieur. Ça commence à dater. C'était le 22 avril à Santander. Amorebieta, Ekidza, pressé par Messi, Iraissos. Les 10 dernières minutes vont être très très longues pour les Basques. Fabregas, Xavi, Fabregas, Toquero, De Marcos. Passe interceptée par Thiago. Piqué. Song avec Valdés. Belle tête. Pedro essaye de récupérer ce ballon devant Amorebieta. San José. Ballon contré. C'est une touche pour Barcelone. La dernière défaite du Barça à domicile contre Bilbao, c'était en novembre 2011. Une défaite de 1 malgré un but de Rivaldo. Thiago. Excellent ballon de Thiago. Montoya. Montée de Martin Montoya. Voulait mettre à Pedro. Et même l'arbitre Matteo Laos en a glissé. Belle récupération de Thiago. Une deux avec Xavi. Toquero. Ander Herrera avec Iturraspe. Et entrée très très difficile pour Fernando Llorente. Herrera. Thiago. Fabregas. Vision du jeu pour Lionel Messi. Ne passe pas. Bon retour. Très bien joué de la part d'Iturraspe. Ah, une passe toujours imprécise. Les actions ne vont pas au bout pour l'Atleti. Messi, Xavi. Thiago. Fabregas. Xavi. Messi. Song avec Jordi Alba. Fabregas. Poussé et mis au sol. Coup franc pour Barcelone. Récupération des Basques. Qui avant ce match avait la troisième plus mauvaise défense de la Liga.
les chiffres ne vont pas s'arranger. Ça fait maintenant 32 buts encaissés par Bilbao en 14 matchs. La lutte pour le maintien va être acharnée pour l'Atleti. Mascherano. Thiago Mascherano. Valdés. Piqué, Song, Gérard Piqué. Fabregas. Mascherano. Xavi. Vous voulez trouver Lionel Messi. Fabregas. Belle passe pour Pedro. Élimination réussie de la part de Pedro. Messi, il a le champ libre, Lionel Messi. Pedro, il a été accroché, retenu avec la frappe de Xavi. Ça passe au-dessus du but d'Iraissos. Très très belle possibilité là à nouveau. Gros travail de Pedro. Il est pourtant accroché par San José. Et malgré tout, Pedro eh bien, reste lucide pour intelligemment glisser ce ballon en retrait à Xavi, dont le compteur reste bloqué à 3 buts en Liga. Ander Herrera. Amore Bieta. Iraissos. Tête de Fernando Llorente. Fabregas en déviation pour Xavi. Fabregas, il va essayer peut-être de s'emmener ce ballon de la tête. Il y a un très bon retour. Un défenseur de Bilbao. Relance pour la formation de Marcelo Bielsa. Toquero, lui aussi, comme Llorente. Entrée en jeu difficile sous le regard de Dani Alves. Eric Abidal qui a repris l'entraînement. Eric Abidal. Pas encore avec le groupe, mais il s'entraîne de son côté avec les autres blessés. Et vous avez vu d'ailleurs aussi Aldexis Sanchez dans la tribune. Valdés. Mascherano. Thiago. Xavi. Messi. Il ne se défait pas du marquage. La Pulga, la puce, Lionel Messi obtient ce coup franc. Piqué. Pedro. De Marcos. Llorente. Avec encore ce centre capté par Valdés. Pedro. Thiago. Xavi. Laurence à nouveau au plein axe. Appel de balle de Toquero. De Marcos. Anderer à par-dessus pour Fernando Llorente. Et ballon toujours dans les pieds des Basques. Yeah.
Xavi. Toquero. Encore un petit peu plus d'une minute à jouer. Belle intervention de Mascherano. Jordi Alba. Javier Mascherano. Lionel Messi. Oh les. Jordi Alba au contre. San José. Toquero. Ah, ne se passe pas face à Jordi Alba. De Marcos. Bonne passe vers Ander Herrera. Herrera qui va aller renverser sur Aorteneche. Rapidement pris et obligé de reculer. Ekidza. Toquero. Le relais avec Ekidza. De Marcos. Va-t-il parvenir à mettre ce ballon tout de suite vers Llorente? C'est bien joué. Mais Gérard Piqué s'est montré plus solide. Le temps additionnel de cette rencontre. Elle échappée de Piqué avec Lionel Messi qui va essayer de trouver la passe. Elle est réussie cette passe pour Pedro. Pour remettre pour Gérard Piqué. La balle du doublé peut-être pour Piqué qui va les mettre en retrait. La tête de Messi. Il pouvait marquer Gérard Piqué. Mais il a choisi le collectif, choisi le record pour Lionel Messi. Malheureusement, la tête de l'Argentin n'est pas cadrée. Voilà, les Barcelonais jouent maintenant pour Lionel Messi. Encore un contre très très bien mené. Piqué avait marqué à la 22e. Cette fois-ci, il a voulu être passeur décisif pour Lionel Messi. Fernando Llorente. Appel de balle de De Marcos. Fernando Llorente joue finalement dans le couloir avec la frappe repoussée par Valdés. Tentative d'Ibai Gomez. Il a fait un bon match malgré l'ampleur du résultat, malgré le match très très difficile pour Bilbao, surtout dans un registre offensif. Lionel Messi a été accroché au départ de l'action. Et carton pour Ander Herrera. Là aussi un joueur de qualité à l'Atleti malgré la situation difficile au classement, malgré la leçon reçue ce soir face au Barça. Bilbao reste une équipe avec beaucoup de talent. Fabregas. Piqué. Le Barça donne la leçon à Bilbao. Victoire 5 buts à 1 provisoirement. Barcelone à 6 points d'avance sur l'Atlético Madrid, 14 points d'avance sur le Real. Les deux équipes qui vont s'affronter dans quelques secondes. C'est un moment historique car le Barça réalise grâce à cette victoire le meilleur départ de l'histoire de la Liga. Et Lionel Messi devient avec César Rodriguez le meilleur buteur de l'histoire du Barça en Liga.